Merci beaucoup pour cette invitation. Et je vais, donc, ainsi qu'il me l'a été demandé, assez rapidement et synthétiquement, vous présenter la nouvelle politique culturelle de la région Occitanie et son intérêt et la façon dont celle-ci peut être déclinée dans le cadre de l'Eurorégion. Aleshores, vull presentar l'estratègia de política cultural a Occitània i amb una incidència en l'Euroregió. Alors, cette nouvelle politique culturelle a été élaborée et votée par les élus le 31 décembre 2017 à l'issue d'une très large concertation mise en place toute l'année, au cours de toute l'année 2017. Concertation en direction du milieu professionnel, des acteurs de la culture et du patrimoine, mais également en direction des collectivités régionales et en partenariat étroit avec l'État et le ministère de la Culture. Aleshores, hem definit una estratègia en concertació, en diàleg amb els actors, tant al sector com als territoris, durant tot l'any 2017. Vous avez quelques chiffres qui illustrent cette concertation et son importance au travers donc, de 45 réunions qui ont été mises en place à la fois au niveau des différents secteurs culturels, mais également sur un plan thématique au travers de réunions transversales mises en place en partenariat avec les acteurs du milieu économique, du milieu touristique ou encore sur le plan des partenaires, les professionnels de la formation. Es van desenvolupar doncs, reunions de diàleg per sectors temàtics i també amb actors tant del món econòmic, turístic i de l'educació, de la formació. Alors, cette concertation qui a permis d'identifier des enjeux communs au milieu de la culture et du patrimoine, mais également dans le cadre de, on va dire, d'enjeux sociétaux beaucoup plus globaux, qu'il s'agisse de l'emploi, de la formation, du développement économique. Cette concertation a permis d'identifier 4 axes stratégiques à la politique culturelle régionale, qui sont déclinées au travers de 90 actions et 90 dispositifs de soutien que, évidemment, je ne détaillerai pas ici, et qui structurent toutes les modalités d'intervention de la région et traversent tous les secteurs, qu'il s'agisse des industries culturelles, du livre et de la lecture ou de l'audiovisuel, du spectacle vivant ou du patrimoine. L'estratègia defineix 4 eixos d'actuació amb 90 accions i per cada acció hi ha també una eina de suport per part de la regió i són de fet doncs, eines i un ajut, un suport a tots els àmbits d'actuació, des de les indústries culturals, el llibre, les arts escèniques, ho cobreix tot. Le premier axe concerne l'aménagement du territoire et la nécessité de rendre plus accessible la culture, enfin de renforcer l'accessibilité de la culture à tous et partout. La nouvelle région est une qui s'est construite sur la base de la fusion entre l'ex-Midi-Pyrénées et l'ex-Languedoc-Roussillon, est une des plus grandes régions de France. Et cette nécessité d'aménagement du territoire est extrêmement importante dès lors qu'il y a à la fois une dynamique qui est une dynamique très urbaine et touristique avec les deux métropoles de Toulouse et Montpellier, avec également toute la politique, on va dire, du littoral touristique, enfin toute la dynamique du littoral touristique, et également en ex-Midi-Pyrénées, on va dire, un contexte qui est beaucoup plus rural et une dynamique qui est portée beaucoup plus par des villes moyennes.
Le premier eix, tu pourrais peut-être changer la diapo. Non. D'accord, pardon. El primer eix, l'ordenament del territori, s'ha de saber que doncs, hi ha hagut una fusió, de, érem dues regions, ara som una regió molt més gran, i el primer eix realment és l'ordenament del territori i que la cultura sigui accessible a tothom. És un territori ara molt gran, amb realitats molt diferents, dues ciutats molt importants, Toulouse i Montpellier, i després un litoral molt, molt turístic i sobretot a la part de migdia Pirineus, territoris molt, molt rurals amb ciutats molt petites. Doncs hi ha com que tres tipus de territoris i aquesta voluntat de fer la cultura accessible en cadascú d'aquests territoires. Le deuxième axe concerne le soutien à la création artistique et culturelle, et également dans le cadre des évolutions de la société actuelle à l'innovation via les nouvelles technologies, évidemment, mais également les différentes modalités de gouvernance. I el segon eix és un suport a la creació, a la innovació, a la introducció de noves tecnologies i noves formes de governança. L'axe número 3 concerne le soutien à l'économie culturelle et patrimoniale, qui représente un atout et une force majeure en Occitanie, Pyrénées méditerranéennes. El tercer eix, el suport a l'economia cultural i al patrimoni. Et enfin, le quatrième axe, et c'est important peut-être ici de le souligner dans ce contexte, c'est un axe spécifique autour du rayonnement international de la région et du renforcement de ses partenariats en direction de différentes zones cibles. El tercer, quart eix, potser el més important aquí per nosaltres en aquesta sessió, doncs el desafiament de fer créixer la visibilitat a l'exterior, tant de la cultura com del patrimoni de la regió. Je vais passer rapidement sur l'axe 1, qui concerne l'aménagement du territoire. Donc, comme vous pouvez le voir, différents objectifs ont été identifiés. Simplifier l'accès et la visibilité de l'action régionale et renforcer la connaissance. Alors, très clairement, cela passe par la mise en place d'un portail culturel et un portail patrimonial et notamment la restructuration de différents sites d'accès à la culture et à la connaissance du patrimoine en Occitanie. Pel que fa a l'eix 1, una acció que estem ara desenvolupant és la creació d'una plataforma internet per donar a conèixer tant les accions culturals com el patrimoni. Le maillage culturel équilibré du territoire au travers du soutien aux équipements structurants. En Occitanie, nous avons à peu près 1000 structures de production culturelle audiovisuelle. 200 cinémas, plus de 200 cinémas, plus de 1000 médiathèques, 31 musées qui sont des structures d'envergure nationale et que la région soutient au travers d'une aide à l'investissement, donc à la création, comme une aide au fonctionnement. Doncs hi ha un suport a les estructures de cultura, als museus, als cinemes, tant a la part de creació com al funcionament de les mateixes estructures. Cette politique de soutien aux équipements est importante pour l'aménagement du territoire, mais elle ne concerne pas uniquement des lieux forts et des lieux structurants, oui, mais des lieux identifiés à l'échelle nationale ou régionale, mais peut concerner également de petits lieux et des structures de proximité, notamment comme sont peuvent l'être les cinémas et les médiathèques.
Aquest suport es fa tant a les estructures més importants, però també a les més petites que estan en el territori, sobretot a sales de cinema i mediateques. Réduire les distances géographiques, culturelles et sociales, rapprocher les œuvres du public et le public des œuvres. Concrètement, cela passe par des mesures mises en place pour favoriser l'itinérance culturelle, pour favoriser également des événements, sans dit festival en Occitanie, des festivals importants mais qui peuvent avoir été développés dans des zones très rurales. Je pense notamment au festival Jazzine Marciac dans le Gers. Et également un travail important du soutien à la médiation en direction des publics, et notamment en direction des publics jeunes. Una voluntat també de desenvolupar els públics. Per exemple, amb els festivals hi ha molta cosa també en entorns rurals, i dono l'exemple del festival Jazz in Marciac, que és molt important i que és realment en un context molt, molt rural, i també una voluntat de mediació amb el públic, sobretot el públic jove. L'axe 2, qui concerne l'encouragement à la création et l'accompagnement de l'innovation, bon, je ne vais peut-être pas trop m'étendre sur ce propos. Peut-être juste rappeler que le soutien de la création passe par le soutien à des lieux avec lesquels nous conventionnons et que nous soutenons sur des objectifs qui sont mis en œuvre sur 3 ans. Mais également sur le soutien à différentes aides, qu'elles soient individuelles, artistiques, la mise en place de résidences d'artistes, l'organisation de bourses, et également, voilà. Pel que fa al suport a la creació, és tant suport a estructures importants com a artistes, doncs, a persones. Pel que fa les estructures, es defineixen normalment objectius per 3 anys. Pel que fa a les persones, doncs, a residències d'artistes, beques, etc. Nous accompagnons également les innovations territoriales, artistiques et culturelles au travers de la mise en place d'un nouveau dispositif qui vise à soutenir des projets de forme innovante, qu'elles soient sur un plan artistique comme au niveau de la gouvernance qui est mise en œuvre. Ces dispositifs visant essentiellement à accompagner les mutations territoriales, notamment dans le secteur rural. Là, un accent également mis sur l'accompagnement de la transition numérique, de la création artistique, au travers du soutien à l'émergence de projets, la mise en place d'un open data culturel, le soutien à la création artistique au travers du jeu vidéo, et la publication des publications... Doncs amb un accent amb la innovació, amb una importància de donar suport a tot el que és innovació, a la transició digital i el desenvolupament també del vídeo en l'art. L'axe 3 concerne donc le soutien à l'économie de la culture et du patrimoine, qui est significative en Occitanie, puisque le secteur du spectacle vivant représente 103 millions en termes de masse salariale. Au niveau de la filière livre, il représente un chiffre d'affaires de 80,6 millions d'euros, 3 600 emplois dans l'audiovisuel, et 30 millions de visites touristiques annuelles, l'Occitanie étant la première région française de tourisme culturel, de tourisme tout court. Doncs posem molt també l'accent en l'ocupació, en les indústries que realment donen ocupació, i amb el turisme, que també és un factor també de desenvolupament econòmic i de l'ocupació. Cette stratégie passe par la mise en lien entre les acteurs du tourisme
et de la culture, mais également les acteurs du développement économique, avec la nécessité au sein de l'administration de créer des véritables passerelles entre ces différents secteurs, de sorte à ce que les acteurs culturels puissent trouver leur place à la fois dans les appels à projets concernant la formation, notamment, mais également dans toute la dynamique de la politique mise en œuvre par la région en termes de développement économique et de visibilité des actions de la région à l'international. Volem crear ponts entre àmbits diferents, el turisme, la cultura, el desenvolupament econòmic, i que els actors del territori puguin trobar formes d'arribar als ajuts i a les convocatòries, per exemple, convocatòries de recolzament de la formació o convocatòries més de cara a la part de desenvolupament econòmic. Je passe assez vite et j'arrive au dernier axe qui est un axe à part entière, comme je le disais, de la stratégie régionale, qui est l'axe Europe et international. Donc cet axe, on va dire, se met en place au travers de cinq items majeurs. Créer et animer un réseau de sites UNESCO et développer le tourisme culturel. L'Occitanie dispose sur son territoire de 20% des labels UNESCO français. Donc c'est un atout important que la région souhaite valoriser en organisant ce réseau et en accompagnant sa structuration. Doncs eixos de la... del que és la internacionalització, una voluntat de donar suport a una xarxa del patrimoni UNESCO present en el territori, que hi ha com que un 20%, pel que he entès, dels monuments UNESCO que estan a l'Occitània. Développer également un tourisme culturel d'excellence. Il ne s'agit pas uniquement de communiquer sur le potentiel dont nous disposons, mais également d'être en capacité d'accueillir les touristes dans de bonnes conditions. Donc là, nous mettons en place un travail de collaboration entre les acteurs culturels et notamment les responsables des lieux et les offices de tourisme locaux afin d'accueillir mieux sur les lieux... les touristes internationaux. La voluntat també de desenvolupar un turisme cultural excel·lent, d'excel·lència, sempre en concertació amb els responsables dels llocs de patrimoni i també els departaments de turisme dels municipis. Il y a également un objectif de création à l'international d'un réseau de sites antiques. Voilà, avec différentes structures, notamment le futur Narbovia, le musée de la Narbonne antique à Narbonne, qui va ouvrir ses portes en 2018, mais également le musée de la Romanité à Nîmes, le site important archéologique de Javol. Es posa també l'accent en una xarxa del patrimoni de l'antiguitat, amb un museu a Narbona del patrimoni romà i també un museu de la romanitat a Nîmes. Au-delà de la question donc de la mise en réseau des sites, l'objectif est d'accroître la mobilité artistique nationale et internationale des artistes et des œuvres. De mieux mobiliser les fonds européens, on me dit qu'il me reste peu de temps, donc j'accélère, et d'accroître la visibilité à l'international et renforcer les partenariats. Alors comment ? On a plusieurs dynamiques de développement, notamment au travers de l'organisation de prix et de partenariats mis en place avec la Villa Médicis à Rome, mais peut-être ultérieurement... dans le futur, la Villa Kujuyama au Japon, voire l'Institut Cervantes. Nous avons également renouvelé un partenariat avec l'Institut français, donc tous les réseaux diplomatiques à l'international.
Souhaitons mettre en place également un volet culturel dans le cadre de nos coopérations décentralisées. Et c'est là que l'Eurorégion joue un rôle important, puisque nous souhaitons décliner, on va dire, tous les différents axes que je viens de vous présenter au travers d'une politique privilégiée en direction du sud, de l'Espagne et également de la Méditerranée. Alors, l'Eurorégion... Doncs després, pel que fa, diguem, a la projecció internacional, unes línies importants són la mobilitat dels artistes i de les obres, poder també presentar-nos a convocatòries europees i incrementar també la visibilitat internacional de les entitats i enfortir els partenariats, i aquí hi ha partenariats nous, un partenariat amb la Vila Mèdicis de Roma, amb l'Institut Cervantes, amb l'Institut Francès. Pel que fa a l'Eurorégion, sí, és un àmbit de projecció internacional important, prioritari, cap al sud, i també volem desenvolupar cooperacions amb el Mediterrani i els països del sud. Donc, quatre axes dans le cadre, on va dire, de notre participation et nos attentes, on va dire, pour la mise en place de projets dans le cadre euro-régional. Donc, un aménagement du territoire, mais dans un cadre beaucoup plus large. Via la circulation des artistes et des œuvres sur un territoire, on va dire, multilingue, le développement de la création et la recherche de l'innovation au travers de projets qui favoriseront les hybridations, mais également les échanges et les modalités de nouvelles gouvernances. Pel que fa a l'Eurorégion, el que volem a Occitània és que l'Eurorégion pugui ajudar a la circulació dels artistes i de les obres, al desenvolupament de la creació i també a la innovació artística amb ponts entre àmbits sectorials. Le développement économique, au travers notamment du soutien de différentes filières. On a deux filières d'excellence en Occitanie qui sont essentiellement au niveau de l'audiovisuel, la filière du cinéma d'animation, et au niveau du spectacle vivant, la filière du cirque, avec un projet de création d'une école européenne du cirque. De nombreuses collaborations sont mises à place d'ailleurs dans ce cadre-là. Avec la Catalogne. Volem també donar suport al desenvolupament econòmic, sobretot en dos sectors, l'audiovisual i també el circ. El territori nostre és molt important pel que fa al circ, amb una escola europea del circ a Occitània. Et enfin, le rayonnement international, sachant que, je reprendrai ce qui a été dit précisément, l'idée est véritablement, enfin, l'objectif est véritablement de créer et de structurer des réseaux qui sont des réseaux pérennes et de travailler dans le cadre de la mise en œuvre et la structuration de véritables territoires de coopération. I volem donar suport als projectes de xarxes duradores i als territoris on hi hagi realment una cooperació i projectes estructurants. J'ai différents exemples à présenter concernant les collaborations actuelles dans le cadre de l'Eurorégion et notamment avec la Catalogne, mais je pense que ça fera l'objet d'un deuxième temps. Si j'ai deux minutes, j'ai un petit film éventuellement à présenter, mais c'est pas... Action.
Thank you.